Mohamed Aïsséni, militant du 93, nouveau secrétaire de section de la ville de Bobigny, fonctionnaire territorial. J'ai 41 ans, je suis né en banlieue parisienne, dans les bidonvilles de Nanterre, et aujourd'hui je milite au sein du Parti communiste depuis 2014, depuis 2 ans. Autre chose qui me paraît important, pourquoi je me suis engagé au Parti communiste en 2014, parce qu'on a subi une défaite au municipal. Et j'ai vu apparaître une droite qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos banlieues et dans les quartiers populaires. Et là, j'ai pris mes responsabilités et j'ai choisi le Parti communiste pour simplement remettre de la gauche dans l'esprit des gens. J'attends du congrès de mon parti qui me donne une ligne claire, un plan de travail pour les années à venir, pour les 3 années à venir, même au-delà, même ça serait bien, pour justement en revenir à cette idée que d'essayer de retirer la société vers la gauche, parce qu'on voit que les esprits et les cœurs se droitisent et on a un réel danger à ce qui arrive en Europe quand on voit ce qui s'est passé là récemment dans certains pays européens, et je pense notamment à l'Autriche. Donc vraiment, j'attends que mon parti me donne vraiment une feuille de route et crée de l'espoir, surtout. Crée de l'espoir chez les militants d'abord, parce que cet espoir, si les militants ont de l'espoir, je pense qu'il peut se transmettre autour de nous dans la population.